stand still. Dashboard dreams of what could be in the greater unknown. We have no map, we got no plans, just open road. Say you'll stay with me forever, say you'll be my only love. Say you'll be my only love. In these days, we got the whole world at our feet. Nous sommes là ce matin pour c'est l'union entre Ethel et Orlando. Et j'aimerais prier vous prier pour qu'ensemble nous puissions accueillir de marier Ethel et Orlando. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la célébration du mariage entre monsieur Roger et Tête de Personne et mademoiselle de Pantas-Borla. Avant toute chose, je vais passer la parole à madame la secrétaire pour nous faire le. Merci. Région du Centre, département de Fouzi, centre d'état civil, centre d'état civil de Côte d'Ivoire, acte le mariage numéro bar 2023, bar CE4520, bar M, bar 3. Mariage de Dame Roger et Dame Jefferson et de Defa Fanka Orlande. Le 7 juillet 2023. Devant nous ont comparu publiquement M. Nam Roger et Tel de Personne, né le 7 octobre 1997 à Yaoundé, profession médecin, nationalité camerounaise, document de référence CNI numéro 525-67-44, domicilié à Yaoundé. Fils de Nam Hubert Madeleine, et de Béni Dajan d'une part, et mademoiselle Lefa Fanka Orlan, née le 29 août 1998 à Yaoundé, profession étudiante, nationalité camerounaise, document de référence CNI numéro 510-77-86, domicilié à Yaoundé, fille de Fanka Blaise et de Lengwen Siani Sylvie d'autre part. Merci. Au futur marié, je souhaite te poser une question. Orlane, pourquoi vous vous mariez si je... Merci, M. le maire, pour la parole. Je me marie si je...
que je veux partager pour vous et je vous recevoir aussi. Mais vous partagez le bonheur même avec vos parents aussi, non? Effectivement, mais c'est pas le bonheur. Oh, oh, le bonheur, si c'est le bonheur de quoi? Explique-nous. C'est le bonheur de l'amour. Oh, c'est fini. Ethel, dis-moi, quand tu es arrivé à mon bureau l'autre jour, tu m'as dit, tonton, je vais me marier. Avec Orlane de Roi. Je me suis dit, c'est devant tout le monde que j'ai posé la question, pourquoi tu te vois? Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci à tous d'être venus. Pourquoi je me marie? Je me marie premièrement par amour. Je me marie aujourd'hui parce que je sais que hier, demain, ce sera toujours le même choix. Merci beaucoup. J'ai cru que j'allais faire la folle au futur mari, mais je me rends compte qu'ils sont très calés, ils se sont préparés. Donc, si je comprends bien, à travers leurs expressions respectives. Le mot qui apparaît et qui est en italique, c'est le mot amour. Donc en fait, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Orlane et Ethel. Je me réjouis de ce que ces enfants nous disent, c'est l'amour qui nous unit. Et invite la famille, la société, les représentants de l'État que nous sommes pour magnifier, pour célébrer, pour témoigner de cet amour. Donc nous sommes là aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Orlane et Ethel. Mes enfants, je vous félicite déjà de l'initiative que vous avez prise. Mais je voudrais, avant qu'on célèbre cet amour, repasser la parole à Madame la Secrétaire. Pour que, maintenant que cet amour sort du buisson pour se mettre à la disposition de la République, qu'on essaye de vous lire sommairement le contenu des obligations qui vont désormais éliminer Madame la Secrétaire. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est dans l'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, il contribue à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer cette charge pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie, selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Article 215. Le choix de la résidence appartient au mari.
La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Merci, Madame la Secrétaire, d'éclairer la lanterne de tous ceux qui sont ici présents par rapport aux obligations du mariage et à titre principal à nos futurs mariés, Orlane et Gaëtel. Ce que je voudrais dire à ces mariés, à ces futurs mariés, c'est que ce qui vient d'être lu là, c'est la loi. Mais l'amour, c'est ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez l'un pour l'autre fait que vous soyez complices, tolérants, solidaires. À la limite, vous êtes le genre de personne, vous êtes deux, mais un. Il suffit que même au milieu des gens, d'un regard, pour que vous vous compreniez. Quand il y a une situation, et tout ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, quand on aime l'autre, on ne voit en lui que tout ce qui est. Si vous restez dans la logique de votre amour que vous venez de déclarer sur la vie, vous n'avez même pas besoin de voir contre l'amour. Parce que l'amour, c'est le don de soi. Et c'est ce que vous devez cultiver chacun. Vous venez d'éducation différente. Vous venez de cultures différentes. Vous venez même des tribus différentes. Ce qui signifie que le saut sur lequel votre éducation a été présente n'est pas forcément le même. Mais dès lors qu'il y a l'amour, tout cela devient parfait. Tout cela fonctionne. C'est l'amour, c'est la fonction. Si vous vivez dans l'esprit là, vous n'aurez même pas besoin d'évoquer les problèmes de droit. Mais comme le législateur s'est dit, mais attention, l'amour qu'on vient témoigner publiquement va induire d'autres choses. Notamment, dès lors que vous êtes marié, vous devez habiter la même maison, vous devez fonder une famille. J'essaie de donner quelques pistes de ce qui est contenu dans les dispositions des articles. Dans l'article 200, les époux se voient mutuellement fidélités sur vous et ainsi de suite. Vous savez ce que c'est que la fidélité? Orlane, vous savez ce que c'est que la fidélité? La fidélité signifie la partie aujourd'hui. Hein? Tes yeux ne regardent que Ethel, Paul, Juan, Gérard, Séraphin, ainsi de suite. Quand il t'appelle, tu dis non. Il y a Ethel qui est déjà dans cette vie. Mes yeux ne sont braqués que sur lui. Ethel, je te connais. Tu es un garçon vaillant. Et Chantal, Marie-Louise et tout ce que nous connaissons là, à partir d'aujourd'hui, tu es déjà un gars qui appartient à un seul cœur. Le cœur d'Orlane. Et c'est ça la vie. Votre corps n'est plus désormais que la propriété de l'autre. Mais la fidélité ne doit pas être prise seulement dans le sens de chacun. J'ai l'habitude de dire que la fidélité signifie quoi? Parce qu'au moment où vous allez signer là tout à l'heure, vous acceptez que toutes les dispositions qui ont été touchées là, dans le cadre des articles la vie entre les hommes, quand vous serez, vous allez vous aligner sur ça. Parce que c'est aussi ça la fidélité. Et vis-à-vis des engagements que vous allez prendre tout à l'heure.
force pour vous agisse. Secours et assistance, bien sûr. Comme vous ne formez plus qu'un seul corps, le prêtre va vous le dire là dans la prière. Vous devez savoir que la souffrance de l'autre est désormais votre souffrance. Que la peine de l'autre est désormais votre peine. Que la joie de l'autre est désormais votre peine. Que la tristesse de l'autre est désormais votre peine. C'est pour cela que vous devez toujours être l'un appuyé sur l'autre. Mais vous savez, dans le contexte européen, lorsqu'on parle de couple, on voit seulement le mari et la femme. Mais dans notre contexte africain, cette solidarité-là va au-delà de Hollande et Tête. Elle a une famille. Hollande a une famille. Et elle a des collègues. Hollande a des collègues. Et elle a des amis d'enfance. Hollande a les amis d'enfance. Tout ce monde qui configure votre espace de vie. Lorsque une des personnes parmi vous est attristée ou est sollicitée ou est, je vais dire, impliquée dans une situation qui l'attriste, qui le contraste, l'autre voit. Ce qui veut, c'est aussi une situation qui le concerne. Et il m'a dit à Hollande, mais quelqu'un des moyens dont tu me parles là, il est malade, on doit aller l'opérer. Moi, je suis médecin, mais je n'ai pas fait mon serment d'Hippocrate pour aller seulement opérer quelqu'un. Non, tu vas l'attirer davantage. Et dès que l'amour que tu as pour elle, dès lors qu'il y a quelque chose qui la concerne et que tu sens qu'elle est. Que ça te concerne également. Et cela, c'est vice-versa. L'article 213. Lui, il te donne l'autre foi. Il dit que tu es désormais le chef de famille, le despote de famille, le commandant de famille, le général de famille, je ne sais pas, toutes les expressions qui marquent le monde. Tout le monde dit chef. Et un chef, c'est une vie. Un chef, c'est celui qui suit et qui prendre les conseils et ton premier conseiller, sinon l'unique dans ton foyer, c'est ton épouse. Parce que elle joue ce rôle-là et elle est en position de te remplacer au cas où il y a des situations où tu ne peux pas manifester ta volonté. Effectivement, pris dans ce cadre-là, en tant que chef, c'est toi qui veilles sur ta femme, qui veille pour que tes enfants soient élevés dans les bonnes conditions, bien sûr, étant accompagné par vous. C'est toi qui vas mettre les moyens à disposition pour que tout cela se passe. J'ai l'habitude de dire dans cet article que on a bien dit, parce que je me réjouis de voir qu'il y a la famille ici, il y a les parents, il y a les frères, il y a les soeurs, il y a les. On sait que vous existez, mais lorsqu'on regarde la loi, là, on a dit que quand elle n'est pas en situation d'exprimer la volonté en ce qui concerne les choses de la famille, c'est Hollande qui le fait. On savait qu'il y a la belle-mère. On n'a pas parlé d'elle. On savait qu'il y a les belles-sœurs, les fameuses belles-sœurs. On n'a pas parlé d'elle. On a bien dit que c'est Hollande qui l'emplace. Mais Hollande, quand on te donne ce pouvoir-là, on ne te dit pas que de manquer de mépris, d'avoir du mépris vis-à-vis de ta belle famille. Non. On t'invite au discernement. Les décisions que tu vas prendre en l'absence de terre, rassure-toi que c'est des décisions qui n'engagent que votre foyer. Parce que lorsque quand c'est elle-même, lui prend les décisions qui vont au-delà du foyer. Parce que certainement, il peut être né d'une famille ou ainsi de suite. Mais dans cette configuration des choses, rassure-toi que tu t'en trouves un conseil. Peut-être auprès d'autres personnes,
parce que la décision à prendre n'engage pas que le foyer. Et c'est cela qui va pousser en sorte, qui va faire en sorte que vous soyez intégré, que vous soyez aimé, que vous soyez considéré par, appelons ça comme ça, vos gouvernements. En troisième position, l'article 214. Comme tu vas te vanter de Dieu le chef là, l'article 214. C'est toi qui dois chercher les moyens pour nourrir ta femme et ta famille. Donc à partir d'aujourd'hui, ton argent là, tu ne pars plus boire avec tes amis. C'est, tu mets ça à la disposition de Hollande et des enfants que vous avez. Ma fille, je voudrais te dire que ce n'est pas parce qu'on dit que il doit te donner tout ce qu'il a, que tu vas lui demander de te donner ce qu'il n'est pas capable de te donner. On a bien dit que c'est en fonction de ses moyens. Si tu lui dis de t'amener en Centrafrique dans un tempo privé, tu es en train de rigoler là. C'est que tu ne lui demandes plus ce qu'il est capable de faire à l'état actuel des choses. Peut-être que l'avenir va nous réserver bien d'autres choses. Et puis, tu m'as dit dès le départ que c'est l'amour que tu es venu célébrer. C'est son con. Je vais te dire, il y a un proverbe petit qui dit que le doigt qui est dur n'enlève pas le verre blanc dans le trou du pain. Si là tu dois me nourrir, je ne te demande pas d'ailleurs. Tu dois me nourrir. Sois gentil, sois charmant au côté. Le reste vient seul. C'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin de négocier. On va te dérouler seulement le tapis rouge. Les hommes sont comme les dieux. Ils sont même à leur image. Quand ils sentent qu'on leur donne la voix qui leur revient, je parle sous le contrôle des mamans qui sont dans la salle. Ils vous donnent. Mais si vous leur montrez que vous vous opposez à leur autorité, ils vous refusent tout. Soyez douce. Ne soyez pas ou la panthère qui est à l'entrée de la maison. Vu comme tu arrives là, je t'attendais. Connais. Quel que soit ce qui s'est passé, ayez d'abord votre mari dans la maison. Parce que vous ne connaissez pas les combats qu'il a menés dehors. Donnez-lui à manger, à boire, faites-lui un coucou, ainsi de suite. Quand vous sentez que tout est dans l'ordre, vous avez donc maintenant la possibilité de lui dire, mon chéri, il y a telle situation ici, j'attendais ton retour pour qu'on regarde ça ensemble. Même si tu as déjà une position, ne lui montre jamais que tu es déjà braqué, tu as la position. Les hommes n'aiment pas beaucoup ça. Je vous parle en homme d'expérience. Pour entretenir votre amour, c'est beaucoup de choses. La première des choses, donne toujours une partie de tes moyens à ton mari. Si tu veux même lui montrer que tu l'aimes trop, donne-lui tout. Mais ça va revenir. Papa, la femme donne 100. C'est pour récolter 1000. C'est connu. Mais si vous jouez le frein, on m'a dit que c'est toi qui dois tout faire. Ça va être compliqué. En tout cas, jouez le jeu, comme on dit. L'amour, c'est... Elle reste vive. Si vous la séchez, elle... fan, n'est-ce pas? Vous savez comment on entretient l'amour? Ce n'est pas l'eau qu'on verse. De temps en temps, vous laissez...
quand il arrive à la maison, ne soyez pas celle qui dit là-bas. Hey! Chantal est celui que j'ai compris là, son pouvoir à la fin. Parce que Chantal, il regarde, il dit Chantal, est-ce qu'elle peut même atteindre le niveau d'orage? C'est ça. Je sais que les responsabilités du foyer emportent souvent sur tout le reste. Mais de temps en temps, arrêtez un peu. Prenez votre temps. J'ai vu les photos là. Vous cherchez dans les colis du monde comment pouvoir vous tenir comme dans les photos là. Quand vous rentrez à la maison, vous-même vous allez m'appeler. Monsieur le maire, vous avez la solution, on a essayé ça. Quand une situation est trop compliquée, on a... attendez 5 heures. Après les jeux d'adultes là, posez votre problème. Vous êtes sûr de trouver la solution. Comme les petits secrets, même comme il est là. Je sais que ça va marcher. Et enfin, je vous vois trop jeune. J'avoue que quand vous êtes entré dans mon bureau, vous me dites, nous voulons nous marier. Et on a choisi que tonton, c'est vous qui devez venir nous célébrer le mariage. J'ai senti quelque chose me traverser. Une émotion contrastée de joie et de questionnement. Si jeune, mais c'est un chemin qui n'est pas quand même un long fleuve tranquille. Bon, mais aujourd'hui, je dois avouer que je suis rassuré. Mais je voudrais vous dire également, au regard des dispositions de l'article 215, quand vous allez partir d'ici, je souhaite que la prochaine fois, je vienne à une célébration ou une fête ou à une invitation que vous allez me donner dans votre domicile. Parce que à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus vivre chez les parents. Même si vous êtes jeune, ce que nous allons signer là va consacrer votre état d'homme adulte. Les enfants ne se marient pas. Vous devez avoir votre domicile. Mais le domicile là, c'est le domicile que l'Éternel va choisir. Donc quand il va te prendre ici tout à l'heure, quand on finit de célébrer, il te montre là où tu vas désormais. C'est une obligation que tu as là-bas. Mais il ne doit pas t'amener au fond de la briqueterie où il y a les bandits, les agresseurs, les prostituées et tout. Hein? Parce que là-bas, si vos enfants grandissent dans ce contexte, ils vont avoir l'éducation du lieu. Dites-lui que non. Mon chéri, ce n'est pas ici. Parce qu'il y a les dangers de... Ils ne vous emmènent pas dans un domicile familial où il y a les beaux-parents, et les belles sœurs dont on parle, les beaux frères et tout et tout. Dites-lui que ici, là, je cours le risque d'être souvent pris à partie. Ce n'est pas l'endroit qu'il me faut pour m'épanouir dans mon foyer, tout comme pour garantir l'épanouissement des enfants que nous allons avoir. Voilà en gros. Avec votre permission, quelques pistes qui vont faire que votre mariage soit bien. Mais nous allons continuer, je vais vous poser une question simple. En quittant pour arriver ici, vous vous êtes dit que vous allez prendre quoi? Le régime polygamique ou le régime monogamique? Je vais poser la question à Orlando. Les solutions pour chanter, pour consoler la personne. Salon. Ok. Et elle. Sous-titrage Société Radio-Canada.
bien. Ensemble, nous choisissons communauté. Et comme ça, c'est un tube. Si on n'avait encore les doutes sur l'amour là, est-ce qu'on peut encore la voir là? Ces brillants intellectuels sont venus me voir il y a bien longtemps. Nous avons procédé à la publication des banques dans la conformité de la loi. Jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune opposition écrite. Comme de coutume, nous allons demander dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à la célébration de ce mariage? Nous allons continuer à poser la même question. Est-ce qu'il y a quelqu'un là parmi vous qui est opposé à la célébration de ce mariage? Aucune opposition n'étant exprimée ni par écrit ni lors de la célébration publique, nous allons inviter les deux mariés à se lever. Avec les alliances. Vous vous regardez. Vous allez répondre à la question que je vais poser. Est-elle acceptez-vous prendre pour épouse mademoiselle Lefa Panka Orlan ici présente devant vous? Oui, je le veux. Changez le micro. Oui, je le veux. Et vous, Lefa Panka Orlan, acceptez-vous prendre pour épouse Monsieur Nanroger Etel Jefferson, ici présent devant vous? Alors, nous allons continuer avec les alliances. Vous utilisez, quand vous êtes à deux là, de bien public, puisque vous avez demandé, vous avez choisi de publier votre amour. C'est beau. On n'attend pas. Ma voix est grave aujourd'hui, vraiment, je m'excuse. Ok, je disais que hier les mots me manquaient, mais la nuit j'ai eu beaucoup d'inspiration. Vous m'écoutez? Oui! D'accord, ok. Roger Etel Jefferson, mon docteur, mon compagnon, mon ami, mon médecin, mon confident, tu as été là, tu es là, et je prie que tu sois toujours là. Monsieur Omar a dit, qu'importe le soleil qui viendra, qu'importe les camps ou les instants qui se prennent, je pense que on a la raison qu'il faut connaître là, et ça va réussir. Alors je vais te dire, je t'aime. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toujours.
tout. Offrez-nous ça.
le témoin de l'époux, s'il vous plaît. Merci bien, JJ. Mesdames et messieurs, nous allons nous lever. Monsieur Na, madame, en vertu de la loi 2001 du 6 mai 2011, modifiant les dispositions de l'ordonnance 81 du 29 juin 1981 portant organisation de l'espace du Cameroun, les diverses dispositions relatives à l'état des personnes au nom de la loi et en vertu du droit. Vous devez terminer.
ce qui t'attend. Bon, on va continuer un peu. Bon, avec la signature des actes. Merci. Merci mesdames et messieurs. Nous allons finir la célébration. Je voudrais donner quelques orientations d'ordre protocolaire après la remise des feuillets. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter ce petit mot. Bonjour à tous. Merci de nous honorer de votre présence. Nous avons appris ce petit repas. Nous allons prendre avec action de grâce, en pensant aux voisins, bien sûr. Et nous vous souhaitons déjà un bon appétit. Mon époux et moi. Le protocole de service.
invités. Veuillez respecter ce protocole. Nous commencerons par, bien évidemment, les élus du jour, qui sont nos mariés. Par la suite, nous aurons les chefs de famille, famille de mariée et telle, et famille de la mariée. Nous allons prier la famille de la mariée de se diriger vers le bulletin. Après la mariée, nous aurons la famille du marié, nous aurons les chefs de famille. Avec le chef de famille, nous aurons la patience.